Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle fait suite à la vidéo où je faisais l'identité visuelle de Raiden. Alors oui, faire la direction artistique de quelqu'un, ça va, c'est facile parce que lui a ses idées, il a des thèmes, des thématiques. En fait, faire la direction artistique de quelqu'un, c'est un petit peu comme donner des conseils en couple alors qu'on est célibataire depuis 3 ans. C'est très simple sur le papier, mais au final quand il s'agit de soi, eh ben, on parle moins. Du coup aujourd'hui on va voir comment faire son identité visuelle de l'idée à la réalisation et ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire de cette identité visuelle. Et du coup comme exemple je vais prendre mon cas et on va voir toutes les étapes par lesquelles je suis passée, les erreurs que j'aurais pas dû faire. Évidemment j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est moi. Bon, ne tardons pas plus longtemps, première étape, bah trouver une idée. Alors comment vous dire, c'est peut-être la pire des étapes, vraiment c'est la pire. Donc on va commencer très simplement, vous prenez un papier, un crayon et vous dites, impossible tous les gens qui passent là. Vous prenez un papier, un crayon et vous notez tout ce qui vous vient à l'idée. Normalement, je dirais noter ce que vous aimez, mais des fois ça fait pas bon ménage. Parce que vous allez vous mettre en tête des petits détails, des petits machins, et ça vous crée pas un mood entier. Par exemple, si j'avais vraiment suivi ce que j'aime, j'aurais mis genre, je sais pas, des films, la couleur rouge, des trucs liés à l'art. Mais tous ces petits éléments, ça ne crée pas un mood. Donc on va faire une sorte de mind map. Une fois qu'on a écrit plein de mots sur une feuille, on va entourer les trucs qui pourraient faire un mood. Et dans mon cas, j'ai un attrait pour tout ce qui est un peu néon, années 80, j'ai une collection de cassettes, des fois je fais des make-up avec des couleurs un petit peu fofolles, j'ai des couleurs de cheveux, bon, t'as peur. Donc on peut voir déjà un attrait, années 80 et beaucoup de couleurs. Mais parfois des images valent mieux que des mots. Et moi ce que je vous conseille de faire c'est des mood boards. Ou en tout cas on remplit la mind map avec des images. Donc là vous téléchargez la blinde d'images et vous dites ok, cette image là elle se référerait plus à tel mot, machin et tout. Du coup quand on a trouvé un mood, un thème, une idée, on peut partir directement pour créer un mood board et on va trouver des couleurs. On se retrouve dans ce setup ordinateur où je vais vous montrer deux sites qui me permettent de faire des identités visuelles, de trouver des palettes, de faire des mood boards. Perso, j'ai deux manières de le faire et ça dépend vraiment de la demande ou de quel mood il faut que j'ai. Du coup, on se retrouve sur ce premier site qui s'appelle Coolors, qui est un créateur de palettes. Donc cette première méthode, ça va être si vraiment vous avez pas forcément d'idée de mood, mais au moins vous avez une idée de couleur, ce qui est déjà vraiment bien parce que perso c'était pas mon cas, hein, je vous le dis. Alors ce site il est très très bien fait. Dans un premier temps si vous avez une idée de palette mais que c'est pas très clair dans votre tête, on a l'explorateur de palettes. Du coup l'explorateur de palettes ce sont des palettes un peu en tendance avec des couleurs assez cool qui vont bien ensemble. Et donc bah là par exemple vous avez plein d'exemples de palettes. Donc là déjà en regardant il y a 2-3 palettes assez cool. Vous pouvez les utiliser par exemple pour des dessins si vous avez pas trop d'idées de quelle couleur faire, quel mood donner. Donc ce qui va nous intéresser le plus c'est le générateur de palettes. Là on commence avec 5 couleurs. D'un point de vue complètement personnel, je dirais que c'est bien d'en avoir 4 maximum. 5 ça me paraît un peu trop. Pour faire une identité visuelle perso, 4 c'est déjà vraiment bien. Du coup pour ça on va en enlever une. Donc là il y a des petites croix, vous voyez quand vous passez dessus vous avez des petits icônes, donc là on va en supprimer une. Deuxième truc assez intéressant à savoir, ce qui est en dessous là, les petits codes, c'est le nom de la couleur. C'est ultra intéressant pour les graphistes d'avoir ça parce que des fois entre deux écrans les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc là moi j'ai deux écrans, les couleurs qui sont sur celui-là et sur celui-là c'est pas du tout les mêmes. Et si j'utilise ma tablette graphique et ben ça sera pas non plus les mêmes. Du coup ça c'est pour avoir des couleurs cohérentes d'un projet à l'autre. En général on utilise le code qui est là mais en dessous vous avez le nom un petit peu... Ah vous avez Forêt Enchantée, là on a Lavender Pink, Snow, alors que bon... C'est une sorte de blanc, mais un petit peu rosé. Donc on va commencer avec une palette de base. Si, mais à chaque fois que j'appuie sur Entrée, les couleurs vont changer. Regardez, j'appuie. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, les couleurs, elles sont plutôt bien dosées. Qu'elles matchent plutôt bien ensemble. C'est pas toujours le cas, évidemment. Mais du coup, on va commencer là-dessus. On va commencer à créer une palette, par exemple. Non, là, il n'y a pas de couleur. Ah si, moi, j'aime bien... ouais, en plus, c'est du carmin. J'aime bien le carmin. Donc là, j'appuie sur le petit cadenas. Ils vont me la bloquer. Ils vont me trouver d'autres couleurs qui vont bien avec ce carmin. Par exemple, là, on a un vert céladon. Super. Celui-là, il me plaît bien. Et... Oh, la palette, elle est trop moche. Elle est immonde, la palette. Oh, non, on va recommencer. Ça, c'est pour tous les gens qui sont épileptiques. Qu'est-ce qui pourrait me plaire?
mais qu'est-ce qui me plaît? Bon, on va prendre ces deux-là qui me plaisent plutôt bien. C'est immonde. C'est trop de couleurs. En vrai, un jaune, ça pourrait être cool. Bah, celui-là, il est sympa. Ça fait un peu marque de sport, là, les trois. Ah, en vrai, ça, c'est sympa. Enfin, un peu dégradé et avec une couleur un petit peu... avec une couleur complémentaire et du coup, bah, ça matche plutôt bien. Bah, j'aime bien. Alors, imaginons que vous avez trouvé ces couleurs-là qui vous plaisent. Je pense que quand vous avez une idée des couleurs que vous voulez utiliser, c'est assez intéressant, mais là, je le fais comme ça, donc j'ai aucune idée de ce que je veux. Là, vous avez des outils assez intéressants. Par exemple, vous pouvez déplacer la couleur dans la palette. En fait, en les déplaçant, vous vous rendez compte que bah, ça matche quand même plutôt bien. Vous avez un outil qui peut être très intéressant, qui est comment les personnes atteintes de daltonisme voient votre palette. Donc là, vous avez les différents daltonismes, et donc si on passe dessus, on peut voir est-ce que la palette, elle est assez contrastée, parce que si vous faites une identité visuelle avec ces couleurs-là, peut-être que les gens ne verront pas en fait qu'est-ce que vous avez fait. Et du coup, il y a un nouvel outil qui est sorti il y a pas si longtemps, qui est à quoi ressemble votre palette dans une identité visuelle. Et donc là, vous allez dans ce petit icône, et ça vous ouvre une nouvelle page avec des cartes de visite, des logos, des illustrations plus ou moins figuratives, voilà, des tableaux, des sites internet, des cartes de visite. Voilà, donc c'est assez intéressant, parce que ça vous montre est-ce que votre palette, elle marche ou pas. Là, vous pouvez encore retoucher à la palette si ça vous plaît vraiment pas, et quand vous faites ça, les couleurs changent, et donc vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Mais du coup, deuxième site, imaginons que vous avez donc votre palette de couleurs, mais vous ne savez pas quoi en faire, quel est le mood que vous voulez apporter, quel est le thème que vous allez utiliser. Et ben, on a Design Inspiration. Design Inspiration se présente comme ça, vous avez soit une barre de recherche, c'est un peu comme Pinterest, vous allez taper des trucs et vous allez avoir des images qui vont vous intéresser. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est avec la recherche de couleurs. Donc voilà, quand vous allez cliquer dessus, vous avez une petite bulle qui apparaît et donc ça vous enregistre la couleur. Et voilà, quand vous appuyez dessus, vous avez le nom de la couleur qu'on avait dit tout à l'heure avec le code couleur en fait. Donc vous pouvez faire des recherches très précises sur la couleur que vous avez utilisée. Là, je vous avoue, j'ai pas que ça qu'à faire. Du coup, on va refaire vite fait la palette. C'est vite fait la palette qu'on a fait quand même. Et donc vous faites une recherche et donc vous avez des images avec les couleurs que vous avez utilisées. Donc là vous pouvez trouver des images qui vous intéressent. Du coup en faisant ça vous allez pouvoir monter un mood board, trouver un thème à votre identité visuelle. Ou au moins des inspirations, des thèmes, des formes, des objets. Par exemple cette image qui est assez cool. Le site est super bien fait parce que là vous avez la palette dominante qui est sur le côté. Et quand vous descendez vous avez des images sur le même thème. Mais maintenant imaginons qu'on fasse l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez un mood, vous n'avez pas du tout la palette de couleurs qui va avec. Ben, on va faire tout l'inverse en fait. On va dire qu'on va faire un mood board sur l'horreur. Donc chose très importante, quand on fait des recherches sur internet et qu'on veut un maximum de résultats, toujours faire en anglais. Donc imaginons en plus de l'image qui vous plaît, imaginons qu'il y a une couleur dedans qui vous intéresse. Donc là en dessous vous avez toutes les palettes de couleurs utilisées. Imaginons que vous dites « Ah ce rouge là par exemple vraiment il me plaît vraiment beaucoup ». Vous pouvez faire une recherche liée à cette couleur. Donc là c'est vraiment la crise d'épilepsie, mais c'est plutôt cool comme type de recherche. Et du coup une fois qu'on a fini toutes nos recherches, et ben on va se mettre sur Photoshop et on va commencer à faire notre mood board. Vous allez voir, je vais mettre les images les unes à côté des autres pour essayer de créer un ensemble plutôt cohérent. Alors voilà en gros à quoi devrait ressembler un peu un mood board. Donc là on a notre mood board fait sur le thème de l'horreur. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? On s'en fout à la limite. On peut voir que j'ai sélectionné à la fois des affiches de films, des images un peu horrifiques. Il y a beaucoup de rouge quand même. Et j'ai pris aussi 2-3 typos qui viennent d'affiches de films. Ici le but c'est pas qu'on utilise tous les éléments, mais on peut identifier des choses déjà qu'on pourrait réutiliser pour une identité visuelle. Par exemple, j'ai pris beaucoup d'yeux, il y a un peu de néon, il y a un peu de rouge, un peu de rouge bien sûr. On a des écritures, on a des formes découpées, voilà, type vieille affiche avec des aplats de couleurs. Voilà, on a 2-3 idées pour créer derrière une vraie identité visuelle.
Du coup, je vais vous montrer un autre outil dans Colors qui va nous permettre de faire une palette de couleurs avec ce mood board. Donc vous allez dans Image Picker, donc là par exemple, vous avez une banque d'images et on va vous générer une palette en fonction de cette image. Vous voyez là, je déplace le curseur et ça me trouve plein de palettes de couleurs liées à une image. Vous-même, vous pouvez prendre et dire « Ah, j'aime bien ce marron-là, il n'est pas très intéressant. Par contre, ce orange, il est assez cool. » Et voilà, vous avez une palette liée à une image. Donc, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut aller chercher son propre mood board pour voir quelle palette on nous propose. Voilà, donc on se retrouve avec notre palette. Donc là, on nous propose une première palette liée à notre mood board. Bon, alors, je vous avoue, j'aurais pas choisi ça. Je vais faire défiler pour trouver une palette de couleurs qui nous irait plutôt bien. Enfin, on voit beaucoup de monochrome de rouge. Ça peut être très intéressant, en vrai. Ouh, celle-là, elle est pas mal. Ça, j'aime bien. Moi, je dis, on peut garder celle-là. Elle est pas mal. Elle est bien horrifique. Bon, alors, imaginons, du coup... Hop, on a notre palette. Et du coup, après, vous pouvez créer un collage de votre mood board en plus avec votre palette. C'est sympa. Du coup, voilà notre palette finale liée à notre mood board. Alors, est-ce que c'est une très bonne identité visuelle qu'on va créer avec ça? Je n'en suis pas si sûre. On va regarder quand même. Ah, et pas trop mal. C'est pas fou, mais c'est pas trop mal. Faudrait peut-être accentuer plus... la présence du noir dans ces images. Hop, juste une petite pause pour vous dire que j'ai retrouvé entre temps les premières palettes que j'avais fait, les premiers moodboards et aussi les tests de palettes et on va voir ça tout de suite. Alors ça c'est une palette que j'avais trouvée et que je m'étais dit ah pourquoi pas parce que ça fait un peu rétro mais au final non pas du tout. Ici c'est une palette que j'avais fait sur Colors directement sur mon téléphone. Bon alors comment vous dire que en effet on retrouve l'idée principale. Par exemple on retrouve ce jaune un petit peu orangé qui sera sur la palette finale, un peu de rose, un peu de bleu vert, mais la palette finale est très différente. Ensuite, premier test de moodboard que j'avais pu faire avec, pareil, au milieu, une première palette. Donc c'est exactement comme j'avais fait pour la deuxième technique, c'est-à-dire que j'ai fait déjà le moodboard et ensuite j'ai fait la palette qui va avec. Au final, cette palette, elle était vraiment simple, mais elle s'éloigne quand même vachement du résultat final. Et pour finir, voilà le tout dernier moodboard que j'ai pu faire qui a donné la palette finale. Alors pour trouver la palette finale, certes, je suis passée par Colors, mais le résultat ne me convenait pas, donc j'y suis allée directement à la pipette et j'ai prélevé les couleurs qui dans l'image m'intéressent. En faisant cette technique, je suis arrivée à plusieurs couleurs qui m'intéressaient. Donc on voit que j'ai pu les classer un petit peu par couleur. C'était des couleurs chaudes, si c'était des couleurs froides. En vrai, sans spoiler, on verra la théorie des couleurs dans une autre vidéo, mais pas aujourd'hui. Puis après, j'ai assemblé ensemble ces couleurs pour créer différentes palettes et je les ai testées sur du blanc, sur du noir, pour voir comment ressortaient les couleurs. Et pour finir, on est tombé sur cette palette finale. Un rose qui arrache la rétine, un violet très sombre, un jaune très chaud qui tire sur le orange et un vert bleu des plus belles effets. Du coup, une fois qu'on a l'idée générale, le mood et les couleurs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire un logo. Alors, je vais pas vous mentir, avant j'avais déjà un logo. Mais comment vous dire que... Bonjour, ceci est ma carte. Du coup, pour faire un logo, on va déjà faire une planche de recherche. Donc encore une fois, vous prenez un morceau de papier et vous notez, vous notez, vous notez. Vous notez déjà des éléments que vous aimeriez retrouver dans votre logo. Par exemple, est-ce que vous voulez que ce soit un logo fait sur une seule ligne, que ce soit assez chic, assez fin, que ce soit bien brutal. Vous pouvez refaire une planche avec des logos qui vous plaisent bien, avec les idées que vous pourriez mettre. Vous pouvez noter les polices d'écriture qui vous intéressent. Et pour ça, il y a un site, ça s'appelle DaFont. Vous écrivez le texte que vous avez envie, vous pouvez trouver plein de polices d'écriture. Et ensuite, vous pouvez même télécharger la police d'écriture. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Je vais vous montrer ma planche que j'avais fait à l'époque. J'avais trouvé plein de logos et j'avais noté des trucs que j'aimais bien dans certains logos type années 80. Et j'avais noté la police d'écriture principale, qui est Erasbold, qui est une police d'écriture que j'utilise du coup assez souvent. Et une fois qu'on a fait toutes ces recherches, on met notre logo au propre. Alors évidemment, là, quand j'en parle, on a l'impression que c'est ultra facile. En vrai, on fait plein de petites modifications. On commence par un truc, on le met en italique, on met une perspective, on réessaye sans perspective, on essaye 100 fois le truc. Et c'est bien d'avoir un logo que vous pouvez décliner tout en noir ou tout en blanc. Comme ça, si vous avez un document officiel, vous pouvez mettre votre logo dessus. Du coup, j'ai mes couleurs principales, j'ai ma charte graphique,
musique et j'ai mon logo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, j'ai voulu me mettre sur Twitch, et même si en ce moment c'est en pause, du coup on va voir les différentes scènes que j'ai pu faire. Dans un premier temps, il me fallait une scène d'ouverture, donc j'en ai fait deux. Donc j'en ai fait une avec un train qui attend en gare. D'ailleurs, j'en ai parlé avec un de mes amis qui me disait « Oh, c'est bien, ça fait comme si t'attendais les gens pour qu'ils viennent. » Donc pour m'aider, j'ai fait un mood board où on voit des exemples de trains en gare avec des couleurs plutôt acidulées. Du coup, c'est un dessin où le fond est animé vu que les nuages passent. Donc ça, c'était fait sur After Effects. Et par contre, le deuxième, j'ai fait une voiture qui passe devant un décor. En fait, il faut juste réfléchir son panneau en largeur et l'imaginer qui passe. J'ai fait des sortes de poteaux qui passent devant et qui, comme ça, permettent de boucler et la transition est pas trop dégueulasse. Mais en vrai, comme première animation, c'est plutôt cool. Je pense qu'un jour, je le referai. On n'est pas encore là. Il y avait aussi la scène de Just Chatting qui est une de mes préférées peut-être. En gros, je réfléchissais à un écran sur lequel on puisse me voir et qui fasse un petit peu années 80. Et du coup, au début, j'étais partie sur une Game Boy parce que c'est vrai que c'est un écran assez sympathique. En plus, ça représente un peu le jeu vidéo et tout. Et en faisant des tests, je me suis dit, bon, la Game Boy en soi est trop grande par rapport à l'écran. Donc là, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, mais quel écran est représentatif des années 80? Et là, je me suis dit, mais les télécrans, bien sûr. Ça allie les années 80 et le dessin. C'est parfait. C'est le télécran. Du coup, c'est un télécran. Derrière, il y a une sorte de petit quadrillage avec le chat qui s'en détache avec une petite ombre portée comme s'il était au-dessus du reste. Et évidemment, j'ai mis des petites ombres, des petites lumières, ce qui rend le télécran plus rouge mais rose. Et en vrai, c'est très bien. Ça reste un peu mes couleurs, donc tout va bien. Dernière scène, il y a aussi le in-game. Alors le in-game, c'est la petite barre qu'on voit en dessous où il y a écrit les subs, les followers. Et là, du coup, j'ai fait comme des petits onglets internet, un petit peu plus rond, un petit peu plus chubby. Perso, je l'aime bien. Ça fait très girly, mais j'aime bien. C'est assez cool. Je verrai à l'avenir si je réduis pas la taille parce que je le trouve à peine gros. Mais pour l'instant, ça fait le taf. Ensuite, il y a tous les à côté. Donc la bannière, c'est un rappel de la scène d'outro. Et il y a aussi les panneaux où j'ai vraiment réessayé d'avoir cette espèce de summer vibes avec cette espèce de rayon de soleil jaune qui passe sur les boutons. J'ai essayé de créer une sorte de volume. Et évidemment, il y a les alertes de followers. Du coup, pour ça, j'ai dessiné une cassette sur laquelle j'ai mis mes couleurs de charte graphique. En sachant que ces cassettes-là existent en plusieurs couleurs pour les badges de sub. Mais vu que j'ai pas encore de sub, eh ben, ça attendra. Mais ça existe déjà. Et j'ai aussi fait le offline, qui est eh bien, un Walkman avec des écouteurs. Le offline que je trouve perso très cool. Et du coup, au passage, je vous montre quand même les quelques autres moodboards que j'avais fait pour d'autres scènes. Et au final, ça n'a pas été utilisé parce que j'arrivais pas à trouver en fait. J'ai gratté du papier, j'ai fait des modèles, des trucs comme ça, mais j'ai pas trouvé. Bon, et bien cette vidéo est dès à présent finie. J'espère que j'aurai pu répondre à 2-3 questions ou vous donner des pistes de réflexion sur comment faire votre DA. Votre DA, votre charte graphique, il y a plein de mots pour ça, mais c'est la même chose. Et même si vous voulez pas créer votre charte graphique, au moins j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ici, j'essaye vraiment de pas vous prendre pour des cons et de vraiment vous montrer des astuces qui ont marché pour moi. Alors je dis pas que c'est efficace pour tout le monde, hein, bien sûr, mais là c'est plein de petites piste de réflexion et je pense qu'avec ça vous avez déjà bien assez. Et du coup je vous souhaite... Qu'est-ce qu'on dit ensuite? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Mais je sais pas qu'est-ce que je peux vous souhaiter. Sûrement tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tienne la main, mais bon, je galère tout le temps pour faire des intros et des outros, c'est terrible. Bah restez inspirés, inspirez-vous et créez des choses. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup. Ciao.